je crie power to the people, construisant d'en bas. On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. On va essayer d'implanter aujourd'hui des variétés, je peux dire modernes, mais actuelles, quoi. À l'origine, c'était un verger de sauvegarde, mais avec les années, ce verger est devenu un verger qui évolue, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas vraiment un verger de sauvegarde. On a au moins 30 à 40 ou une trentaine de variétés qui datent d'après la guerre, et on pense que ces variétés-là font un heureux mariage avec les anciennes variétés. Hier, sur le site, on consomme près de 120 000 kW par an, et normalement, si on l'optimise, on vient de voir ça, on doit arriver à 110 000 kW par an. Il tourne que 3 mois de l'année. Quoi. Vous tournez grosso modo 1 heure sur 10 quand ça tourne. Voilà, c'est ça. Là. Pour avoir une distance moyenne, il y a des jours où il y a trop. Donc en général, j'ai toujours un sachant, tu sais. Ou moi, si j'ai appris parce qu'on m'a montré avant. On ne fait pas de chantier participatif seul, comme ça. Sinon, ça démarre très mal, et on a vu des expériences où, à la fin de la journée, tout est tombé, le mur, parce c'est que... Ça, ouais. Parce que ça peut être raté complètement, puis c'est... Le gars, il a fait ce chantier, il a dit, non, je sais pas, on va faire, bon, ben, on essaie de se souvenir des mélanges, qu'est-ce qu'on met. Et puis en fait, à la fin, le lendemain, il a tout cassé, parce qu'il avait rien fait. Donc, vaut mieux quand même qu'avoir quelqu'un qui sache, avant de... organisé, quoi. La terre battue, t'as suivi c'est pas qui l'a inventé, c'est déjà des choses qui avaient été faites. La transition arrive, on sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. Les températures sont contrôlées pour gérer les fermentations, s'assurer qu'on ait une bière qui soit toujours régulière. Mais si vous voulez, je vais brasser ma bière. Et le moment où je vais pouvoir là où elle sera consommable, il y a un minimum d'un mois. Donc je vais avoir généralement entre 15 jours et un mois de fermentation. Et ensuite j'ai à peu près un mois de garde, on va dire, en bouteille, de manière à ce que la bière s'aime. De passer aux actes, attaquer les problèmes à la racine, changement radical, assez de blabla, ça change quand il y a des résultats. On veut pas rester à l'écart, on veut rassembler l'âge. Viens, mets ta part le cœur à l'ouvrage pour un mouvement global avec un ancrage local. Climat, justice, élevant nos voix, décisif, notre impact prépare.